mon frère, la situation dans nos hôpitaux ne changera jamais. Je suis là depuis 6 heures du matin. Et moi depuis 7 heures, mon frère. Jusque-là, personne n'est encore là. Et quand la bonne dame va venir tout à l'heure, vous verrez comment elle va nous recevoir. D'ailleurs, la voilà qui arrive. À 9 heures. Elle a même failli nous cracher sur le visage. Elle arrive à 9 heures. Elle n'a même pas notre temps. Ça, vraiment. Mon frère, on doit supporter, on va faire comment? Nous sommes venus pour ça. Mon frère, allons. Allez. Allez. Nous ne sommes pas venus ensemble. Mon frère, allons la voir. Allez. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame. Monsieur, allez attendre dehors. Et qui est madame? Je suis là depuis 6 heures. Je vous demande d'aller attendre dehors. Depuis 7 heures, nous sommes là, madame. Enregistrons-moi, madame. Ouais, okay, madame. Ayez pitié de nous, madame. Mon frère, allons attendre dehors. D'ailleurs, il est 10h05. Et à partir de 10h, le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Le docteur fait quoi? Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Hein? Mais vous avez rendez-vous avec le docteur? Est-ce que la maladie a un rendez-vous avec nous? Ah, monsieur, vous perdez votre temps, mais le docteur ne peut pas vous recevoir. Et c'est toi qui gagne ton heure. Petit voleur de médicaments. Hey, tu appelles qui petite voleuse de médicaments? Mais, hein? Moi, je vous ai déjà dit. Tu appelles qui petite voleuse de médicaments? Toi, je vous rappelle que je suis infirmière diplômée d'État. Pourquoi pas prévêqué d'État? Vous qui m'avardez beaucoup là, vous avez un carnet? Carnet de quoi? Donnez-moi votre carnet. Vous avez carnet? Carnet de qui? Vous êtes même lavé ce matin? Tuto? Quoi? Vous êtes lavé ce matin? Vous êtes le plus sale des malades et c'est vous qui grondez le plus. Je suis? Vous êtes le plus sale des malades. Qui? Tu t'occupes? De ma maladie ou bien petite voleuse de médicaments. Je verrai qui va s'occuper de vous ici. Lui il va me recevoir. Bon d'accord, je m'en vais dans mon laboratoire. Je verrai qui va vous occuper de vous. C'est la dernière fois. Je m'en vais dans mon laboratoire. Je m'en vais dans mon laboratoire. Mon frère, tu as bien parlé, tu avais raison. D'abord, est-ce que tu sais même pourquoi on ne trouve pas les docteurs dans les hôpitaux? C'est parce qu'ils vont travailler dans les cliniques privées pour avoir beaucoup d'argent. Elles vont travailler dans les cliniques privées. Est-ce qu'ils ne peuvent pas ouvrir leurs propres cliniques? Quand vous dites qu'elles vont travailler dans les cliniques privées, élément là, tu vas voir quelqu'un. Il a le chantier à Jamelin, il a l'ogre à Gollum, il a l'ogre à Mimoua. C'est comme ça. Si c'était un problème d'avortement. C'est là qu'ils sont forts. C'est là qu'ils sont forts. Et vous voulez me parler? Non, mon frère, tu avais raison. Allons attendre le docteur. Il va me recevoir. Allons attendre le docteur. Il va me recevoir. Alors, il va nous trouver ici. Allez. On n'est pas venus ensemble. Priez pour moi, vous. Donc, c'est vrai. Tout le monde m'abandonne. Là, alors, il faut que lui me recevoir. Mon frère, voilà le docteur qui arrive. Allons le voir. Frère, ne perdons pas de temps. Allons. Allez, je vous allons. Dis, nous ne sommes pas ensemble. Mon frère, allez. Bonjour, docteur. Bonjour, messieurs. Vous êtes là pour la consultation? Oui, docteur. Vous avez pris rendez-vous? Oui, docteur. Non, docteur. Et comment les deux anglais là? L'autre, non. L'autre, oui. Je regrette, messieurs, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer ce matin. Ouais, docteur. Nous sommes là depuis 6 heures. Depuis 7 heures, docteur. Je reviens d'une conférence et tout à l'heure, j'ai une communication internationale à donner. Revenez demain. Ayez pitié de nous, docteur. Revenez demain jeudi. Je ne peux pas vous recevoir ce matin.
Mon frère, allons, c'est le docteur même qui a parlé. Allez, allez. Il doit me laisser moi. Il doit me laisser moi. Mon frère, le docteur ne reçoit pas. Allons. Allez. Mon frère, allons. Allez. On n'est pas venu. Il a dit qu'il ne reçoit pas. Ensemble, allez. Bah, hey. On va t'abandonner. Oui. Il faut que lui me reçoive. Mais que se passe-t-il, monsieur? Vous pleurez? Allons, allons, calmez-vous. Que se passe-t-il? Pourquoi pleurez-vous? C'était qui, ma jolie? Votre femme? C'était ma première fugadelle. Et que lui est-il arrivé? Ma jolie, viens voir le docteur. Je t'ai... Le début du matin... Arrivé à la maison, le tétanos est monté. Ma jolie, moi. Allons, allons, calmez-vous. Calmez-vous, venez. Calmez-vous, venez, je vais m'occuper de vous. Je suis venu pour moi-même. Le docteur me dit que bien le matin, je pense que c'est le même que demain avec ma jolie. Tu viens pour moi. Venez, je vais m'occuper de vous. Allons. Calmez-vous, calmez-vous. C'était ma première fugadelle. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, je vais m'occuper de vous. Ma gueule. Dites-moi, vous avez un carnet? C'est ça que je cherche. Ce n'est pas bien grave. Dites-moi, de quoi souffrez-vous? Ça veut dire que ça me brûle. Qu'est-ce qui vous brûle? Ça me chauffe. Qu'est-ce qui vous chauffe? Ça me brûle. Est-ce que vous avez mal à la tête? C'est pas à ce niveau. C'est pas à ce niveau. C'est pas à ce niveau. Auriez-vous des problèmes avec votre ventre? Mais pas au niveau du ventre. Dites-moi, est-ce que vous buvez beaucoup? Qui? Vous. Moi? Oui. Le jour que je n'ai rien fait, c'est peut-être 5 casiers et demi. 5 casiers et demi de bière? Et il ne vous arrive pas d'être sous? Si tu m'envoies sous, c'est que j'ai terminé mon voyage. Et quand vous êtes sous, quelles sont vos réactions? Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Est-ce que vous urinez beaucoup? Que? Vous. Quand j'ai déjà... Quand vous avez déjà bu? Si je veux. Est-ce que vous urinez beaucoup? Plus qu'un bain. Et quelle est la couleur de vos urines? Quelle est la couleur de vos urines? Est-ce que le liquide a les couleurs? Ça contient la couleur du vase que le convient. Si le vase est bleu, c'est bleu. Si le vase est rouge, c'est rouge. Si le vase est jaune, c'est jaune. Monsieur, j'avoue que je ne sais toujours pas de quoi vous souffrez. Où avez-vous exactement mal? Attendez un peu. C'est ici. Où c'est? C'est ici que ça me brûle. Ah, je vois. Et c'est depuis combien de temps?
Ça fait quelque chose comme 3 mois et demi, hein? 3 mois et demi? Et qu'attendiez-vous pour venir à l'hôpital? Au commencement, j'avais honte. Et qu'est-ce que vous avez pris entre-temps? Eh, il y a mon frère qui m'a donné quelques comprimés. Lui aussi m'a dit que je ne dois pas venir ici. Alors, maintenant que ça me chauffe... Monsieur, ce que vous dites est très grave. Sachez d'abord que c'est une maladie comme une autre et que vous n'avez pas à en avoir honte. Et sachez aussi que c'est une maladie qui ne se soigne pas au hasard. À chaque... C'est pas le hasard. Ce qui m'a fait donner, c'est ce que je veux aussi avoir pris dans le germe. Justement, il ne faudrait pas. À chaque germe correspond un antibiotique bien précis. Seulement, nous allons essayer de voir la situation. Mademoiselle! 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 Docteur! C'est le docteur qui t'appelle. Mademoiselle. Docteur. Vous allez faire un prélèvement, monsieur. Oui, docteur. Monsieur, veuillez suivre l'infirmière. Suivre qui? Veuillez suivre l'infirmière. Monsieur, venez. Lui m'envoie avec lui. Ce n'est pas les baudets qui m'engueulaient ici tout à l'heure. Ah, ce sont les résultats. Oui, docteur. Merci, mademoiselle, pour votre diligence. Ce n'est pas possible. Mademoiselle. Docteur. Apportez-moi le microscope, je vais vérifier cela moi-même. Ce n'est pas croyable. Dépêchez-vous, mademoiselle. Donnez. Vous m'avez apporté la lame, j'espère. Oui, docteur. Nom, Cancan Jean-Michel. Examen demandé, recherche de germes plus culture ATB. Présence d'une purée de polynucléaire altérée. Tout ça pour moi, c'est... Présence de nombreuses cellules épithéliales de coccis plus en amas, genre Neisseria gonorrhoeae. Donc j'étais déjà moins. Présence de nombreux germes encastrés en grains de café à morphologie Staphylococcus aureus. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Mademoiselle. Docteur. À partir de ces résultats, vous allez me faire un antibiogramme. N'oubliez surtout pas. Ensemencement dans un bouillon de culture à température appropriée. J'attends les résultats dans les 48 heures qui suivent. Tout de suite, docteur. Monsieur Cancan. Dites-moi, comment cela est-il arrivé? Comment cela est-il arrivé? Que c'est arrivé? Votre maladie, comment l'avez-vous contactée? C'est pas de ma faute. C'est de la faute d'Hélène. J'avais bien expliqué à Hélène qu'il ne faut pas qu'il est commerçant et je suis... Au commerçant, chaque jour, elle part pour jeter les plantes sur les rues de Kolinga. On appelle la Kowa. Chaque jour, elle part jeter les plantes. Jusqu'elle est partie,
C'est-à-dire, le jour que j'ai parti, moi aussi, je voulais, et là que ça m'est arrivé, par le conséquent. Et vous êtes parti de quel côté? Au marché mondial. Et c'est quoi le marché mondial? C'est pas loin. C'est là que j'habite. C'est-à-dire quand tu montes, quand tu montes, quand tu dis, c'est pas loin. C'est là aussi que j'habite. Bien, vous allez revenir ici avec la jeune fille en question. Et si je la connais? Moi, je la connais plus. Hein. Bien, vous allez revenir ici avec votre propre épouse. Qui? Votre femme. Tu es fou. Je vous demande de revenir ici avec votre femme. Que femme? Mais votre femme. Elle est? Oui. Peut-être que ça te dérange ta tête. Hein. Si. Et après, bon, je lui raconte quoi? Ben, dites-lui que c'est le médecin qui voudrait l'avoir. Tu prends un limbo, un enfant. Monsieur Cancan, je ne peux pas vous soigner tout seul. Il faudrait absolument... Si je m'en vais dire ça à un c'est que je suis mort. Il faudrait absolument que je la consulte. D'abord, Hélène n'est pas malade. Nous ne pouvons pas le prouver. Il faudrait que je... Hélène n'est pas malade. C'est comme ça là où je te dis. Il faudrait que je la consulte avant pour être sûr. Elle ne va pas venir. Il faut absolument qu'elle vienne. Qui? Votre femme. Hélène? Oui. Si Hélène vient ici, c'est tant pis pour nous deux. Essayez tout de même de la convaincre. Convaincre qui? Votre femme. Tu prends Hélène comme enfant. Essayez toujours. Elle ne peut pas accepter. Faites tout pour la convaincre. J'ai dit qu'elle n'est pas malade. C'est là où je te parle. Je vous dis que je ne peux pas vous soigner sans l'avoir consulté. Bon. Essayons de voir le problème entre nous et les hommes. Je m'en vais dire à Hélène que c'est toi qui l'appelle. Oui, dites-lui que c'est le médecin qui voudrait la voir. Et ne faut pas qu'on arrive ici, tu fais comme si tu m'as déjà vu. Et rassurez-vous, tout se passera très bien. Je m'en vais dire à Hélène que c'est toi qui veux les voir. Dites-lui que c'est le médecin qui voudrait la consulter. C'est pas n'importe qui. Parce que si on arrive ici, d'abord, viens. Et si on arrive ici, fais comme si tu m'as jamais vu. Hein? Faites-moi confiance. Pardon. Ne le dis pas que tu m'as déjà vu un jour. Faites-moi confiance. Tout se passera très bien. Si on arrive ici, tu le dis que tu m'as déjà vu, tant pis pour nous deux. Rassurez-vous, M. Cancan, je ne le dirai pas. Parce que Hélène s'énerve, ma. Tombe. J'ai compris. Si c'est fâche, c'est notre affaire. Je vous attends après-demain, tous les deux. Après? Après-demain. Mais il ne faut pas que lui, que tu fasses semblant que tu m'as déjà vu un jour. Soyez sans crainte, Monsieur Cancan, tout se passera très bien. On se revoit. Bonne journée à vous. Je te fais confiance. Faites-moi confiance, vous avez raison. Tu connais Hélène? Pas encore, mais j'aurai le plaisir de la découvrir. Si elle se fâche, c'est mauvais pour nous. Rassurez-vous, encore une fois, tout se passera très bien. Si tu me vois, il ne faut pas lui dire que tu m'as déjà vu. Hein. Faites-moi confiance, Monsieur Cancan. Je te fais confiance. Et il ne faut pas que je parle. Rassurez-vous, rassurez-vous. Tout ira très bien. Allez, bonne journée à vous. Merci, Jean. Mais il ne faut pas que tu lui dis que tu m'as déjà. Soyez sans crainte, Monsieur Cancan. Tout ira très bien, je vous l'ai promis. Si on arrive ici,
Fais semblant que tu ne m'aies jamais. Au revoir. Hélène! 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 Viens! Viens! On a un programme très chargé. On a un programme très chargé. Tu connais? On a un programme très chargé. C'est-à-dire? Toi-même, bon, tu vois, c'est-à-dire, nous devons. C'est le docteur qui a demandé que veut nous voir. Pourquoi? C'est-à-dire, il veut nous rendre visite. Oh, tu es malade? Non! Toi-même, tu vois, ces derniers temps. Doucement, il vient nous rendre visite. Pourquoi? Elle a demandé que veut nous voir. C'est-à-dire, qu'elle essaie de voir nos états de santé normal. Tu il connais veut nous, doucement, il veut nous voir. Pourquoi? Tu es le miroir? Ces derniers temps. La saison des pluies est en train de se séparer avec la saison sèche. Oui, il tu connais le docteur là où? Il avait fréquenté avec mon petit frère, il a fréquenté avec mon petit frère. Toi-même, tu connais que ces derniers temps, il y a beaucoup de maladies qui s'amènent. Il y a par exemple le quasico, il y a par exemple le syncrophe. Il y a par exemple le gouvernement. D'abord, j'ai jamais oublié le nom des dernières maladies. Le docteur a demandé qu'il faut que nous visite, qu'elle essaie de voir nos clients et de santé normal. Tu n'es pas malade. Je ne suis pas malade. Le docteur veut nous visiter. Pourquoi? Ce n'est même pas mon problème. Il a seulement demandé que veut nous voir. C'est-à-dire que veut nous visiter. Ce n'est pas mon problème. Il veut me voir, il me connaît où? Il m'a vu où? Allons. Allons quoi? Il me connaît où? Allons. C'est lui qui a demandé que veut nous voir. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit, hein? Oui. Quand tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu me connais bien, n'est-ce pas? Oui. Ce docteur-là, lui, me connaît où? Il m'a vu où? Elle a demandé que veut nous voir. C'est-à-dire qu'elle veut nous visiter. Tu as vu le docteur là où? Je connais que toi, pour te chercher, il faut aller au bar. Voilà! 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 Moi, j'ai passé en roue. Hein. J'ai passé en roue. C'est lui qui me voit. C'est lui qui m'a interprété pour me demander que madame est où. C'est lui qui dit que tu connais que madame, je l'ai toujours pour lui planquer à la maison. Il m'a dit, il faut qu'on parle et voir. Cancan. Tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu connais comment je me fâche? Hein? Tu connais comment je me fâche? C'est le docteur qui a demandé. Ce n'est pas que c'est le docteur qui a demandé. Ce n'est pas mon problème. Tu lui as parlé de moi, n'est-ce pas? Allons, hein? Allons. C'est lui qui a demandé que veut nous... Pourquoi? Doucement. Que veut nous visiter? Doucement. Je dis que si arrivé là-bas, ton docteur ne me dit rien de bon. Cancan, je veux me gâter. Je veux me gâter et tu ne vas même pas me reconnaître. Allons, allons. Attends-moi d'abord, je m'en vais porter la robe. C'est lui qui a demandé qu'il veut nous voir. J'ai dit que si ton docteur ne me dit rien de bon, je veux me gâter là-bas. Il va te dire. C'est lui qui a demandé qu'il veut nous rendre visite. C'est même pas mon problème. C'est pas. Ça me regarde même pas. Si on arrive, il faut que le docteur. Lui explique la situation comme je lui avais dit. C'est pas mon niveau. Allons, non? J'arrive! Allons! Le docteur nous attend. Il a demandé que veut nous rendre visite. Allons! C'est la terre? Allons, non? Allons! Parce que quand il m'envoie, il a demandé que où est madame. J'ai dit que. Tu crois? Allons? Il faut qu'on s'entende d'abord bien ici. Allons? Est-ce que tu lui as parlé de moi? Allons, allons. Cancan? Si on arrive là, d'abord, c'est lui qui a. Dit, hein? Tu me connais bien, n'est-ce pas? C'est lui qui a demandé que veut nous voir. Allons? J'ai dit que. Cancan, tu me connais, n'est-ce pas? Allons? Si arrivé là-bas, ton docteur là ne me dit rien de bon. Cancan, qui va me porter? Allons? Tu vas me porter sur ton dos? Allons, c'est le docteur. Hein? C'est pas. C'est le oui, allons. Tu connais quoi? Non, quand on parle chez le docteur, je t'avais dit que tu connais que
le docteur. Là, ne me dérangez pas, je te dis. Il se fâche. Ton docteur là va me sentir aujourd'hui. Il se fâche clairement. Il se fâche clairement. Allons. Oui, on parle, non? Écoutez un peu. Allons. C'est le docteur qui a demandé. Me voici avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est madame. Veuillez vous asseoir. Prends place. Prends place. Prends place. Prends place. C'est le docteur. C'est lui qui m'a dit que vous voulez me voir. Oui. Eh, qui est? En effet, madame, j'ai demandé que vous passiez ici pour une petite consultation de routine. Quelque chose qui ne dure même pas. Comment le dis que ça ne dure pas? Tu es déjà ici? Eh, est-ce que l'inement, est-ce que moi je ne suis jamais passé ici? Hein? Je vais m'occuper de vous, madame. Mademoiselle. Mademoiselle! Docteur! C'est le docteur qui t'appelle. Mademoiselle, docteur. Vous allez faire un PCV à madame. Oui. Madame, veuillez suivre l'infirmière. Madame, va avec lui. Venez. Va avec lui. Va avec lui. Va avec lui. Va avec lui. Tu as entendu ce que je t'avais dit? C'est tu lui dis que j'étais déjà ici. Et rassurez-vous, monsieur, tout se passera très bien. Il ne faut pas. Il faut pas que tu lui racontes. Alors, monsieur Cancan, vous voyez bien que ça n'a pas été bien compliqué de convaincre madame. C'est toi qui vois que ça n'a pas été compliqué. Si tu connais ce que j'ai déjà vu à faire, tu devais avoir pitié de moi. J'ai dit alors que il ne faut pas que tu fais comme si tu m'as déjà. Au revoir. Rassurez-vous, tout se passera très bien. Donc c'est comme ça, docteur. Est-ce qu'il vous a dit que les enfants ne vont pas à l'école? Qu'il n'y a rien à manger? Hein? Il n'y a même pas le savon. Il vous a dit ça? Ça ne sait pas quelles étaient les maladies que tu amènes ici, n'est-ce pas? Est-ce que le docteur a dit que c'est moi? Il a dit que c'est qui? Calmez-vous, madame. Ma calmez de quoi? Laissez-moi tranquille, vous ne me connaissez pas. Évoquez pas. Calmez-vous. Les enfants sont là, ils ne s'occupent pas des enfants. Que moi, je m'occupe particulièrement d'Henriette. Et qui va s'occuper de Dieudonné? Je vais amener Dieudonné chez moi. Madame, calmez-vous, je vous en prie. Est-ce que mon père est le père de Dieudonné? Écoute. J'écoute quoi? Écoute ce que le docteur va nous dire. Il va nous dire quoi? Antibiogramme, feuille des résultats. Nom, Jean-Michel Cancan. Service demandeur, H. Numéro d'identification 102. Germe Neisseria gonorrhoeae. Origine pus urétrale. Tu entends? J'entends quoi? J'entends quoi? Je demande si tu entends. Résistant au piprane. Pyostacine intermédiaire. C'est toi qui vas chercher les maladies dehors. Tu me dis tu entends quoi? Est-ce que le docteur a dit que c'est moi? Ce n'est pas toi, c'est qui alors? C'est pas toi, c'est pas moi. Ça sort alors où? C'est bon, ça sort là où oui. Ça sort là où oui. Ça sort là où oui. Tu vas dehors, tu vas porter les maladies, tu amènes ça à la maison, mais là, tu demandes que ça sort là où oui. Est-ce que le docteur a dit que c'est moi? Pyostacine interne. Est-ce que tu attends? J'entends quoi? Ce n'est pas toi. Que? Ce n'est pas moi qui m'a amené ici. Est-ce que le docteur a dit que c'est moi? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est venu toi alors. Calmez-vous, je vous en prie. Écoute d'abord ce que le docteur nous raconte. Sensible à la colimycine. Germe Staphylococcus aureus. Donc j'étais même déjà moi. Hein. Origine pus urétrale. Résistant à la spéciline. Gentaline intermédiaire. Sensible à la staphylomycine. Bien, voici votre ordonnance. Vous passerez à la pharmacie acheter ces produits. Donne-le. Madame. Monsieur. Donne-lui. Madame. Ne me tentez pas. Ne m'amenez pas à la politique des hommes pour m'emmerder. Ne me tentez pas. Calmez-vous. Je ne fais pas de la politique. D'abord. Je n'achète rien. Tu achètes. Je n'achète rien. Oui. Il faut qu'il achète. Moi aussi, j'achète. Qui? Oui. C'est toi qui m'amènes dans le capital. Est-ce quoi? C'est toi qui m'amènes dans le capital. J'achète quoi? Tu n'achètes rien. Tout l'argent que je te donne, tu fais quoi? Tu vas te donner 500 un jour.
D'abord, donne-moi. Je vous attends dans une semaine pour un examen de contrôle. Ce n'est pas moi. Je ne reviendrai plus ici. Je m'en vais. D'ailleurs, c'est fini comme ça. Je m'en vais chez mon père. Qu'est-ce que c'est fini? Le mariage est fini entre toi et moi. Hein? Je ne suis plus ta femme. Tu entends? Je m'en vais chez mon père. Je m'en vais chez mon père. Ouais. Et moi aussi. Et je m'en vais. Et chez ma mère. Je m'en vais. Tu m'as pris pour qui? Ça va finir ici! Ça va finir ici! C'est le docteur! Je